à propos de protection, toujours, là en face, ce sont des feuilles de palmiers dattiers que j'ai à l'entrée du terrain, qui sont magnifiques, qui doivent faire 10 mètres de haut. Et de temps en temps, on coupe les feuilles parce qu'elles jaunissent, et puis bon, c'est pas très joli. Alors l'intérêt de ces feuilles, ou le désintérêt, c'est qu'elles ont des piquants, mais qui sont comme des poignards de 20 cm, terriblement durs. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, il y a quelques mois, je suis allé nettoyer les palmiers, au lieu de rien foutre, comme d'habitude. Et en fait, une feuille m'est tombée sur le poignet et j'ai eu les tendons sectionnés. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à récupérer cette main. Et bon, à quelque chose, malheur est bon, parce que maintenant, j'utilise ces feuilles. Je les utilise pour faire de la protection. Par exemple, là, on a un point faible ici, derrière la bodega, où quelqu'un pourrait se cacher pour observer la maison, ici aussi. La maison, je tourne, et là, on a du sarrasin, hein, on n'a pas du mur. La maison, elle est au fond, en tout cas l'arrière. Et donc, en fait, ce sarrasin, on va le jeter, on va le mettre derrière la bodega, donc côté droit et côté gauche. Et crois-moi, jamais personne ne pourra s'y mettre. Donc c'est une protection bas coût, low carbone. Voilà. On est dans l'époque de l'économie, alors il faut bien commencer.